Hey, salut à tous les amis, c'est David Lafarge Pokémon, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Moi écoutez, ça va super, on se retrouve pour l'ouverture d'un deck Pokémon. Et oui les amis, ça faisait très longtemps que je n'avais pas ouvert de deck. Donc cette fois-ci, ça sera le deck Primo Groudon de XY5 Primochoc. Et oui les amis, j'ai décidé d'ouvrir les deux decks. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vert si vous voulez que j'ouvre le deck Primo Kyogre. Donc, je vous présente le deck sous son blister. Voilà, donc c'est le deck Pulsation Terrestre. C'est assez stylé comme nom. Les réveils d'anciens rivaux. Après des siècles en sommeil, le pouvoir intense de Primo Groudon X surgit des profondeurs de la Terre, tandis que Primo Kyogre X s'éveille des abysses de l'océan, soulevant des lames de fond titanesques lors du combat. Avec les arrivées majeures des Mega Gardevoir X et Mega Galaking X, bref. Voilà, donc c'est un magnifique deck les amis. Donc je vous dis à tout de suite, je vais couper le blister. Et donc voilà les amis, j'ai coupé le fameux blister. Voilà, il est là. Donc les amis, on va s'ouvrir ce petit deck. Donc je l'ai pris pour mettre le Kyogre en reverse qui était simplement en rare, enfin qui est en holographique dans le deck, pour le mettre dans ma collection. Bon, je défonce la boîte, hein. La boîte je m'en contrefiche. Voilà. Que j'appelle déchirer un Groudon, mon dieu. Mon dieu. Ok, donc voilà le contenu du deck. Ah là là, c'est bizarre d'ouvrir un petit deck de temps en temps, ça change. Donc waouh, direct conseil attaque lui, Groudon holographique mosaïque. Donc c'est une simple rare, c'est la 84 sur 160 de la série. Donc j'ai déjà eu en rare reverse, je vais mettre celle-là dans ma collection, elle est tellement jolie. Donc la carte est bien neuve, il n'y a pas de souci à se faire. Waouh, ah c'est sublime. Ah c'est magnifique les amis, super. Je vous conseille vraiment ces petits decks pour ceux qui sont vraiment pointueux sur leur collection. Bon après je sais qu'il y en a qui mettent pas. Donc le code online du deck. Allez. Donc Primochoc deck pulsation terrestre Groudon. Ok. Donc voilà le code. Le premier se fera plaisir. On a quoi d'autre? On a un petit livret d'informations sur les cartes. Bon, d'accord. On s'en fiche un petit peu. Code de l'extension du GCC Pokémon. Ouais, d'accord, mon gars. Par contre, la liste est gigantesque. Oh, my God. Oh, mon Dieu. Ah, ouais, d'accord. What? Le U, c'est ultra rare et l'étoile, c'est holographique rare X. Ils disent n'importe quoi dans ce livre. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Des petits jetons à enlever. Regardez, hop, tu t'enlèves le jeton, puis cela, ça va pour le jeu. Voilà, donc désolé pour le petit bug là, mais voilà. Et là, c'est le tapis de jeu, mon dieu, aussi, je l'ai pris pour ça. Ah, j'espère qu'il va être beau. Oh là là, j'espère qu'il va être beau. Je le déplie. Oh, j'espère qu'il va être beau. Waouh. Ici, on a Primo Kyogre. Et ici, on a Primo... Et donc, bien, ouais, les amis, j'ai un petit problème de caméra. Et donc, on enchaînait avec l'énergie. Donc, électricité. Bon, moi, je dis ce que je veux comme les énergies. Bon, voilà, je dis un peu n'importe quoi. Énergie combat. Un Cracknoa, bien sûr, je me suis pas spoil, les amis. Vous faites pas de soucis. Un petit Dynavolt, un Rhinocan, Meditica, des cartes de la série, un J-Combat, Tierno, Kunotor, cette énergie, Exitaton, énergie, des dresseurs, Ninéon, Castorno. Ouais, c'est des cartes de la série en fait, hein, tout ça je connais. Hein. Pour aller voir la méga ouverture, il y aura un petit lien pour la méga ouverture. Oh, ça c'est, ouais, ça c'est Étincelle, j'ai vu directement que c'était Étincelle. Donc XY2, Groudon. Groudon en rare, sympa. Toujours un petit Groudon. Hep, hep. La caméra me joue un tour, comme d'habitude. Senior et Junior, bon, ouais, bof, 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 bof. Oh, ah si, c'est XY3. Ça, c'est une rare. Rina Stock et Charmina. Voilà, ok. Bah écoutez, bah pourquoi pas, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Alors, j'ai dit, je vous ai conseillé d'acheter ce deck. Ah, en fait, bah moyen en fait, hein. C'est vraiment pour tous ceux qui veulent vraiment avoir la carte holo, sinon ça ne sert strictement à rien. Bon allez, pour avoir un petit tapis de jeu quoi. Voilà, donc écoutez les amis, je vous montre bah, les trois du deck qui vous offre, tac tac tac, enfin qui vous offre. Le deck qui m'a coûté 15€, donc quand même, ça fait un petit peu cher, mais bon, ça fait une belle vidéo, ça fait une petite ouverture, j'aime bien. C'est sympa d'ouvrir un deck, puis il y a le jeton qui est vraiment cool. Et puis la Groudon holographique mosaïque quoi. Donc mosaïque, hein, vous voyez, ça fait des petites parties holographiques. J'essaie de bien vous montrer. Hop, voilà, comme ça exactement. Et donc les amis, eh ben, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vert si ça vous a plu. Si vous voulez l'autre ouverture du deck. Là-dessus les amis, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain pour le Swap Pokémon 3. Allez, bye bye, portez-vous bien. Rrrr.